l'actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Bonjour Edimond Moïse. Bonjour. Vous êtes animateur culturel et beaucoup plus connu pour être un militant pour les langues congolaises et la langue lingala que vous maîtrisez bien. Aujourd'hui, quel est selon vous, selon votre regard, le descriptif de la situation des langues congolaises dans les pays actuellement? Déjà, je ne suis pas un militant des langues congolaises. Je fais mes travaux scientifiques et culturels en langue congolaise parce que je suis congolais. Donc pour moi, c'est juste une simple façon de m'assimiler en tant que congolais. C'est pour ça que je fais mes travaux en langue congolaise. Et maintenant, c'est vrai, nous sommes dans un contexte où nos langues sont bafouées, sont reléguées au second plan. Pourquoi? Parce que l'école de type occidental a pris beaucoup de place et l'influence de cette dernière fait en sorte que tout ce qui est culturel, tout ce qui est valeur endogène soit négligé et ramené au second plan. Quelle serait la valeur ajoutée des langues congolaises dans les écoles aujourd'hui à ces jours? Naturellement, si on veut parler progrès dans notre pays, il faut commencer à beaucoup investir sur l'éducation et l'instruction. Justement, l'instruction ou l'éducation ne peut se conjuguer qu'en langue locale, en la langue qu'on maîtrise mieux. Et ici au Congo, nous avons ce qu'on appelle les langues locales, les langues qui sont parlées du jour au lendemain par les Congolais. C'est bien évidemment, ici nous sommes à Kinshasa, on va parler de la langue lingala qui la majorité des Kinois maîtrisent. Donc ce serait vraiment la langue de prédilection qu'on doit utiliser pour enseigner et instruire toute la population. Et je suis même convaincu que l'inverse, comme on utilise les langues étrangères pour enseigner nos enfants, c'est vraiment les freins qui fait en sorte que les Congolais, la majorité des Congolais, ne puissent pas s'approprier les savoirs prodigués dans des écoles ou institutions pédagogiques. Et quelle peut être votre recommandation en rapport avec les langues congolaises dans l'enseignement, même s'il faut dire le programme de l'année est déjà calé? Ce serait quoi votre recommandation? Bon, comme c'est une démarche procédurielle, la première des choses, c'est déjà de demander à l'État ou aux animateurs des écoles d'arrêter d'interdire aux enfants de parler les langues congolaises. Parce que lorsqu'on interdit à un enfant de parler sa langue maternelle, au-delà de lui donner le message que sa langue ne vaut rien, c'est même lui dire que ses ancêtres, toutes les sciences emmagasinées au fil des temps par ses ancêtres ne représentent rien parce que c'est un tabou. C'est à l'école où on apprend malheureusement aux enfants à ne pas aimer le Congo parce que la langue, c'est justement la filigrane d'une nation, c'est l'image d'un pays. Vous avez une école culturelle où vous encadrez les enfants notamment à aimer leur pays et à aimer leur langue. Puisque vous êtes une institution, est-ce que vous avez déjà entamé cette procédure? Est-ce que vous avez un plan établi pour faire ce changement partant du français vers nos langues? Justement, on a créé Toyekola pour ça. Toyekola, à la base, c'est une école qui prépare les enfants congolais à étudier en langue congolaise. Et comme c'est un travail de recherche-action, on ne pouvait pas venir avec des propositions épistolaires. C'est pour ça qu'on s'est mis en action pour essayer de travailler et puis voir aussi si c'est possible. Et heureusement pour nous, on a des éléments qui prouvent à suffisance que les projets comme Toyekola sont très bien réussis dans le contexte congolais. Les enfants étudient en lingala, oui, mais ces enfants-là, au-delà de comprendre les leçons, ils s'en approprient et savent très bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces sciences. Pourquoi? Parce que ils ont ce qu'on appelle les rapports entre la science et leur environnement immédiat. Parce que nous, à Toyekola, il faut souligner, on n'enseigne pas que les enfants en langue congolaise, mais on a aussi les cours qu'on établit qui ont vraiment les rapports avec leur environnement qui est les Congo. Donc, c'est-à-dire que même notre histoire, notre anatomie, nous c'est vraiment en lingala, donc Zebia Bonzoto, donc qui veut dire science, anatomie, tout consort. Donc tout est question de centrer l'instruction en langue congolaise et sur l'environnement congolais. Vous êtes pour le fait d'éliminer le français, l'anglais
pour remplacer avec les langues congolaises ou bien de les faire cohabiter toutes ensemble. C'est impossible. Pourquoi faire cohabiter ça? Les français ou l'anglais normalement n'a pas droit de citer chez nous. C'est vrai qu'on peut, on peut dire aujourd'hui que nous subissons les français et l'anglais parce qu'il y a eu les inventions, il y a eu des gens qui sont venus chez nous dans notre pays pour déranger notre culture, déranger notre éducation, et ils nous ont imposé leur langue. C'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de subir ça. Mais si on s'est dit affranchi du point de vue politique, c'est que Lumumba nous a donné comme indépendance. C'est-à-dire qu'on a les pleins devoirs de mettre de côté tout ce qui est produit des invasions et puis aller maintenant selon la perception du réel de notre pays. Et nous, on a nos langues sont intelligibles. On peut enseigner, on peut communiquer en langue congolaise. Et c'est ce que nous, on a fait à Toyekola. Et nous voulons justement étendre ça partout, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, et voire même dans toutes les institutions, qu'on puisse utiliser nos langues comme langue administrative et langue d'enseignement. Et puisque ça fait plus de 60 ans qu'en RDC, on parle français, ne pensez-vous pas qu'un changement brusque pour intégrer directement une langue congolaise comme étant la langue d'enseignement, la langue de tout, ça va provoquer un dysfonctionnement? Aucun dysfonctionnement par rapport à ça. Bon, et puis d'ailleurs, ce n'est pas une fatalité. Normalement, dans toutes les sociétés, il y a toujours ce qu'on appelle les temps de la remise en question. Voilà, on se voit, on était en train de suivre une direction et puis on a vu que ça ne passe pas. On peut toujours changer. On peut tout dire aujourd'hui. Alors, dites-moi, vous êtes journaliste, quel est maintenant l'apport de la langue française dans les processus des progressions de notre pays? Aucun. Aujourd'hui, on voit chaque année, on produit des intellectuels, on produit des étudiants, des scientifiques, tout qu'on sort. Alors, c'est quoi leur impact, l'impact réel que ces derniers sont en train d'animer dans la société? Non. Avec les Français, Mokezo Koufa. Mais justement, utilisons nos langues pour évoluer. Et il y a des écoles déjà qui apprennent les langues, qui apprennent aux enfants les langues congolaises, telles que la vôtre, et bien d'écoles, mais elles ne sont pas majoritaires. C'est déjà des initiatives encouragées. Oui, mais c'est un travail d'avant-garde. Les gens comme nous, c'est vraiment l'expression des instruits qui se sont révoltés de l'instruction acquise de leur maître. Donc, ça, ce qui veut dire que tout tangi na kelasi, kasina suka to sepelite na makambo to yekoli, yango wana to lobiete, esenge na biso doza la pe libonza, pour na bato nyonso baza na sima, biso baso sola ete, makambo oyo to zali ko yekola na minoko ya bapaya, ezali ko sunga biso te, esenge na biso to yekola makambo. Mon ami noko na biso po lelo ezali nini makambo tozo yekola na monoko ya bapaya tozo comprendre te ezana ba dimension ya didactique ezali mi balé. Le français en soi, c'est d'abord une science, parce qu'on peut tout dire, mais une langue est une science. Alors que nous apprenons les sciences à travers une autre science, qui est la langue. Alors maintenant, il y a une barrière, ce qui fait que les Congolais majoritairement ne maîtrisent pas cette langue-là, parce que c'est une langue qui lui est étrangère. Et puis maintenant, comment expliquer? Vous m'apprenez des choses en une langue que je ne maîtrise pas très bien. Quoi de plus normal que les résultats de cette formation soient toujours décevantes? Donc c'est pour ça que nous voulons utiliser une langue avec laquelle on a une intimité. Le Congo est vaste, dans plusieurs zones, dans différentes provinces, on parle différentes langues. Le risque ne serait pas peut-être de se croiser deux Congolais, trois Congolais, quatre Congolais qui parlent quatre différentes langues et ils ne se comprennent pas. Mais c'est avantageux, justement, mon ami. Être polygote, c'est aussi le fruit d'une certaine intelligence. Nous, et si maintenant on forme nos enfants dans ce sens-là, ce serait une très bonne chose. Et puis maintenant, à côté de ça, il faut toujours faire ce qu'on appelle l'analyse historique. Hein. Comment est-ce que maintenant nos ancêtres, nos grands-parents, ce qu'on appelle ici au Congo, Bako Konabiso, comment ils étudiaient, comment ils vivaient et avec leur langue. Ouais. Donc ça c'est très important parce que les humanités classiques doivent justement nous servir des repères pour qu'on évolue en pleine modernité. Donc je ne vois aucun mal si on utilise les langues locales. Et puis après, il y a toujours ce qu'on appelle les langues transrégionales, comme par exemple la langue comme les Lingala, c'est parlé dans plusieurs régions. Donc on peut organiser ça dans le sens où les enfants étudient dans leur langue de localité et puis après insérer les autres langues comme les langues, comme ce que vous appelez abusivement les langues nationales, intégrer ça dans les programmes comme étant des cours.
Et puis si vous voulez, bon, toujours par amour des Occidentaux, ajouter les Français, ça me dérange pas. Mais je pense que c'est impossible de former les citoyens en langue étrangère. Actualité. Est-ce que avec l'allure actuelle, on est sur une bonne voie? Est-ce que le changement, le retour vers nos langues est possible dans les prochaines années? Retour non, recours oui. Pourquoi je dis recours? Parce que nos langues sont là. On a croisé un petit souci par rapport à la défalsification linguistique que nous avons croisé avec nos langues. Ce qui fait que aujourd'hui les Congolais moyens a du mal à parler sa langue couramment et librement parce que il ne l'a pas appris à l'école. Ça c'est une réalité, mais non une fatalité. On peut toujours voir dans quelle mesure pouvoir réaménager ça. C'est justement pour ça que nous on a créé Toyekola. Pourquoi? Parce que on a voulu garder d'abord la pureté de la langue. Nous on utilise les Lingala Lyamakanza. Les Lingala Lyamakanza qui est vraiment les Lingala littéraires que l'on peut se servir pour écrire toute forme de livres scientifiques, tout qu'on sort. Par exemple, moi j'ai écrit un livre sur les Lingala Lyamakanza, un manuel pour apprendre les Lingala. Avec ça, on peut déjà se servir pour apprendre la langue. En fait, mais non, Makambo tout ça là, ils allaient été, tous allaient n'a pas ça. Mboka na biso to longwa na système où ba benga ya extraversion. Toujours former ba citoyen pour ba bongisa mboka. Toujours former ba na te pour ba tanga après ba zala utile na libanda. Parce que moi na wazoyé ko la mathématique ou bien chimie option songolo pakala na français. Au-delà de tout, avant qu'on ait à comprendre les cours, il y a des gens naturellement que non, makambo na zoyé kola ezay ba français, ezay biso ba congolais. Ce qui fait que bana na biso ba otanga classe ba tala ba mikolo na biso bokoko na biso boyebi nyoso eza na bilamino na biso lokola marambo ya mayele te lokola biloko ezanga tina, alors que na ba mboka nyoso ya mokili ya ce qu'on appelle les recours vers les humanités classiques, ba koko ba kanisa ki ndenge nini, ba koko ba bongisa ka mokili ndenge nini. Sikoyo biso lelo oyo toza na temps moderne tokosala ndenge nini po to ambelir passé wana lelo po lobi ezala malamu mokili etambola rabongo. Maintenant, à partir du moment où tozo utiliser français kotia eza lokola barrière et kati biso masulu na ba koko na biso, parce que ba koko na biso avant 1885 baloba français te, baloba anglais te, baloba portugais te, kasi ba kamba mokili ba kamba mboka na bango na minoko na bango. Siko lelo oyo tango bozo yekolisa bana ya lelo français, anglais, tout consort, bozo tia bango na barrière pour ba sola sous na bakoko na bango wana te, ba ye ba passé na bango te. Siko mwana ayebi passé te, ayebi lobi te, eza impossible ayeba makamini na kosala lelo pour lobi na yeki malamu. Yango zo mona mboka ezo kende na kobeba na kobeba, parce que toza na ba citoyen te, lelo toza na ba congolais ou baza étranger na propre sol na bango. Ce qui l'élo tobi toki a tozalaka na ba diamant tobetaka tolo tozana ba diamant ba cuivre tout consort. Yebisanga se ki se congolais sérieux o atangi na ba université azama yele o kozwa diamant pese zwa diamant yango salela mo musala osala nango. Non, so azwi diamant azwi kozwi cuivre réflexe na libosi ki na zwa yango na ki ne koteka yango, parce que ayebi yango te, ayebi nini lo osala nango te. Alors justement ce ko elo ko nini tolo ba ke non bisone tozali ko yangela mboka na biso, poko yangela mboka eza kozana na bokonzi likolo ya mboka koyeba ke non mboko eza ya ngai. So nazwi awa mabele o naosala nango boye moni mabele o awa na se ya petrole ezalaka petrole naosala nango boye nao kena boye, sans pour autant kozana na bapense moko extraverti oyo akoyebaka ke non nazwa ya ngai na kenango libanda ekosimba te. Yango ozomona tozosala mpenza effort ya kobunda po système d'éducation na biso ezala centré na ndenge mokili mona na repa na biso abenga la perception du réel selon les Congolais. À partir du moment où on a tokende liboso pe tokolonga bitumba oyo edimon maton dumingi boton de menu actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité.